Ce sont deux équipes sur de très bonnes dynamiques, mais ça c'était avant la trêve. On attend de voir comment ils réattaqueront le Zalgiris, l'Olympiakos qui retrouvera l'Euroleague avec la victoire. Réponse dans 40 minutes. Les premiers points pour Keenan Evans. Système de remise en jeu qui permet de trouver seul sous le cercle Alec Peters. La gâchette Alec Peters, troisième meilleur pourcentage à 3 points cette saison. Ulanovas, le flotteur qui tombe dans le cercle. Walk-up, le flotteur qui est inscrit par Thomas Walk-up. Loin sur l'écran, Laurinas Birutis qui a laissé Thomas Walk-up. Ah, forcément, on va pas sortir très fort sur les écrans. On sait que c'est pas sa force le tir extérieur, Thomas Walk-up, même s'il est capable d'en mettre. Et par contre, la défense, oui, avec ce ballon volé et le service pour le dunk d'Alec Peters. Et les mains actives de Thomas Walk-up. Mustapha Fali va jouer davantage de rapidité. Serge Birutis. Mustapha Fall est revenu et il est au contre, le pivot français. Lui en tout cas ne l'a pris que le ballon. Mustapha Fall. Manek au poste bas, il est doublé. Belle passe pour Keenan Evans qui marque sous le cercle. Lucas Lekavicius est arrivé en jeu. Et pas de Domidas Siedraitis hein, qui est blessé. La première flèche, Lucas Lekavicius. Il a un rôle de facteur X à jouer ce soir. Domidas Siedraitis hein, qui est blessé. Déchirure à la cuisse. En demi-finale de Coupe lituanienne. Et Mustapha Fall qui est en train de faire un chantier sur ce premier quart. Tant au rebond qu'au scoring. Nouvelle fois, Mustapha Fall trouvé. Au poste bas, oh la passe, elle a été bien inspirée. Et la bonne défense de Thomas Dimcha, la contre-attaque et le dunk. Le club qui arrive à dénicher des intérieurs sacrément performants. Qui se fait déplumer par les équipes Euroleague. Roland Smith, ça c'est un bon tir d'inscrit par Roland Smith. Après une belle circulation de balle et un bon service, signé Thomas Dimcha. Roland Smith, ah, il continue à jouer les Lituaniens. Oh le move exceptionnel, Roland Smith, il a enrhumé Moses Wright. Et oui, il fait froid. Ulanovas, ah, tir compliqué avec sa main gauche. Akisic avec Moses Wright qui monte au dunk. Ah, et mauvais repli défensif du Zalgiris. Shaquille Makisic avec sa vitesse. On a profité. Oh, ça va, Petroussef, hein, on le sait, il est capable aussi de jouer pivot. Et va porter de la mobilité. Keenan Evans, oh quel tir par-dessus Philippe Petroussef. C'est la première fois qu'ils sont devant les Lituaniens. Il l'avait été en tout début de rencontre sur les premiers paniers. Depuis l'Olympiakos menait les débats. Makisic passe ses lignes de fond. Oh la passe délicieuse et le dunk de Philippe Petroussef. Par où il l'a passé? Au poste bas, Ulanovas maintenant. Radi Manek. Ah, ils sont en place. Qu'est-ce qu'ils défendent bien les Grecs. Et il faut la claquette miraculeuse de Radi Manek, de Roland Smith, pardon. Encore lui sur le tir de Radi Manek. Allez, encore Roland Smith. Pas cette fois. Et rebond offensif, il va y retourner, la passe dans le dos. Oh non, Radi Manek va déposer ça. Va déposer ça, garçon, assure le coup. À partir de ce top 8, l'intégralité de la Coupe de France qui sera à suivre sur Squeak. Oh, Makisic! Oh, quel panier au buzzer! Avec une autorité folle, il a été emmené toute la défense du Zalgiris avec lui. Ils sont 4 sur le poster. Allez, 3. J'ai été généreux. Mais quel dunk! On le sait, c'est un artiste, Shaquille Makisic. On fait ça avec Kevin Hussaïs aussi. Et Ulanovas
sur le banc. Thomas Walkup, il est à 3 et il marque. Quel soir pour Thomas Walkup, à droit, passeur, il fait tout. Le naturalisé grec qui a disputé le premier match des fenêtres de qualification pour l'Euro 2025 avec la sélection hellénique et qui a été d'ailleurs très très bon dans son premier match. 16 points, 8 rebonds, 8 passes, pas loin du triple double. Plus 4 pour l'Olympiakos. On approche de la moitié du troisième quart. Oh, le service, il est beau. Papa Nicolaou pour Alec Peter. C'est le jeu offensif de l'Olympiakos qui est fluide. Et encore une fois, la belle coupe. Ils se font avoir dans le dos, les Lituaniens. Cette fois, c'est Kostas Papa Nicolaou qui est trouvé. Nouveau ballon pour passer la barre des 10 points d'avance. Et ça va être le cas avec la manière, avec la puissance de Moses Wright. Et la défense d'Isaiah Kanan, il s'en sort. Lucas Lekavicius en difficulté. Ouais, il est mal embarqué cette attaque du Zalgiris. Lekavicius prend le contact sur Moses Wright, ne marque pas, la petite claquette tout en touché de Brady Manek. Encore Brady Manek, ça y est, il est en train d'entrer dans son match avec des tirs près du cercle pour se mettre en confiance. Ah, ils doivent réagir, les Lituaniens, lancer un run, réveiller cette Zalgirio Arena pour s'appuyer sur l'énergie du public. On le sait, hein, c'est... Allez, ça commence mal avec Moses Wright qui va pouvoir aller tout claquer à deux mains. Oh, cette puissance! Kimcha ressort sur Lekavicius, tir grand ouvert. Il le met, heureusement qu'il le met parce que Isaiah Kanan était parti comme une trombe de l'autre côté. Kisic qui marque. Oh, il était dur dans la chute. Ouais, pas mal ça, Roland Smith qui a pris le dessus sur Moses Wright. C'est un duel qui lui sourit. Cette fois Roland Smith Makisic. Oh, il est intenable de plus un, Shaquille Makisic. Makisic avec Walkup. Il va réussir à retrouver Mustapha Fall. Non, c'est fermé. Prend le tir. Thomas Walkup qui ne rate rien. Nicolaou avec Mustapha Fall et qui n'a pas réussi à se saisir du ballon. Un 3 contre 1 à négocier. Et fini. Conclu par Thomas Dimcha qui voulait la faute. Il ne l'aura pas. Temps mort. 5-30 à jouer. Makisic. À 2 points, et encore Shaquille Makisic, allez, hein, il l'a battu depuis son 3 points, son record au scoring cette saison. Walkup encore à 3 points, encore Thomas Walkup, sa quatrième flèche longue distance. Avec Thomas Walkup, 4 secondes, tir est contré par Edmond Sumner. Monsieur Nas à 3 points pour revenir à 14 unités. Makisic à 3 points. Quel match! Quel match il nous fait, Shaquille Makisic. Bon Sumner. Hey. Qui se déréveille sur le dernier ballon. C'est dommage. Pas de dernier tir. L'Olympiakos triomphe à la Zalgirio Arena, salle dans laquelle ils ont pleuré il y a moins d'un an en finale de l'Euroleague.